Eh bien là c'est pour moi quelque chose de très important la bioélectronique ce mot bien sûr ne veut dire pas grand-chose à beaucoup de monde je dirais même il y a peu de gens qui connaissent ce que c'est que la bioélectronique elle est actuellement je dirais un peu mise à l'écart au niveau scientifique et surtout au niveau médical et à mon avis c'est une très grosse erreur C'est de nier l'existence ou de la refuser peut-être on rentre en conflit avec des intérêts très puissants. Je pense aussi à ça derrière, parce que la bioélectronique permet effectivement de connaître immédiatement sur quel terrain de santé nous nous trouvons, et que ces terrains-là ont été déterminés par des scientifiques il y a déjà un certain temps. Alors, sans rentrer dans toute, je dirais, la rétrospective, de cette euh, science qui est la bioélectronique, il faut savoir que des travaux qui ont été faits par euh, des scientifiques, notamment euh, Jeanne Rousseau, qui est une pharmacienne, qui a travaillé sur l'eau toute sa vie. Et je rends hommage à cette femme qui vient de disparaître là dernièrement. Et euh, c'est une grande perte, bien sûr, mais elle a laissé en héritage quelque chose d'incroyable et elle a été aussi euh, amie avec un autre très grand scientifique qui a, en quelque sorte, quantifié tout cela au niveau euh, mathématique, au niveau euh, scientifique, c'est Louis-Claude Vincent. On ne le dira jamais assez que cet homme-là a apporté à l'humanité, euh, je dirais, une euh, définition. Une, un concept avec une clarté extraordinaire de, du fonctionnement de la vie. Alors qu'est-ce que c'est que la bioélectronique C'est tout simplement euh, des paramètres euh, électriques, euh, électroniques, qui sont quantifiés euh, par des appareils, qu'on appelle les bioélectronimètres tout simplement. Et qui sont euh, bon des, des paramètres classiques, euh, ce qu'on appelle bien sûr le pH, le potentiel hydrogène de, de notre corps, euh, ce qu'on appelle euh, la résistivité, etc. Donc tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Et aussi également, surtout, euh, des potentiels euh, bon euh, électroniques euh, qu'on appelle le Rh2, euh, qui est une notion totalement inconnue par rapport, euh, je dirais, à l'oxydo-réduction. Eh bien. Il avait donc établi euh, plusieurs terrains et euh, des graphiques avec lesquels on pouvait repérer ce que pouvait être la parfaite santé. Eh bien, euh, on peut très rapidement, à travers des prélèvements de sang, d'urine, de salive, faire euh, une, une analyse très précise et très fine de nos coordonnées bioélectroniques, de notre corps. Donc on s'aperçoit d'une chose, et je pense que ça c'est essentiel, que d'abord au niveau de la médecine euh, officielle et actuelle, personne ne connaît la bioélectronique, on s'embarque dans des analyses à travers des laboratoires euh, qui coûtent très cher, alors qu'on a des systèmes relativement simples qui nous donnent tout de suite la situation, et qui est absolument préventive. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on se trouve sur un certain terrain, il suffit de le déplacer pour que tout se tienne tranquille. Et que tout redevienne normal au niveau biologique. Bon, et c'est pas si compliqué que ça, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et quand on voit la lourdeur des, du système médical actuel. Alors cette, euh, cette bioélectronique, euh, Louis Claude Vincent avait donc mis au point tous ces paramètres, et il a fait des milliers d'analyses, qui a permis effectivement d'avoir des moyennes statistiques incroyables. Et on s'aperçoit qu'en définitive notre corps n'est pas du tout ce que nous raconte la biologie, n'est pas du tout ce que nous raconte le médecin, qui est un système qui est toujours chimique, qui est toujours, euh, si vous voulez, dans des euh, réactions métaboliques et physico-chimiques extrêmement complexes. À l'heure où je vous parle, on a à peu près 60 000 milliards de réactions métaboliques et physico-chimiques par seconde. Comment voulez-vous vous y retrouver là-dedans Impossible. Donc il est évident que euh, les analyses qu'avait fait euh, euh, Louis-Claude Vincent étaient très simples en fait et permettaient de donner, je dirais, une configuration immédiate, instantanée de notre situation de santé et surtout préventive par rapport aux maladies potentielles qu'on pouvait créer en fonction de ces terrains. Et en fait on s'aperçoit d'une chose, c'est que euh, qu'est-ce qui dirige la vie Et c'est ça en fait l'essentiel du problème. Il faut savoir que la science actuelle ne peut répondre aucunement à cela. On n'est même pas capable de fabriquer un centimètre d'herbe. Par conséquent, il faut comprendre que la vie fonctionne avec des éléments qui, actuellement, on pourrait appeler quantiques, si je peux dire. Car derrière ce brouillard quantique explique, il y a toute la vie qui est là en potentiel et qui surgit dans notre univers d'espace-temps. Eh bien, ce sont deux particules qui sont essentielles et qui ont été de plus en plus cernées par la bioélectronique et maintenant beaucoup plus encore, on en parlera peut-être plus tard, qui sont tout simplement l'électron et le photon. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, bien sûr, pour beaucoup de gens. Les électrons, il y en a partout, il y en a des milliards, vous n'êtes qu'un système électronique. Et on s'aperçoit que cette particule qui est étudiée, bien sûr, depuis longtemps, on n'en a jamais vu. Donc on ne connaît que sa trace, sa vitesse, on s'en connaître bien sûr sa position. Donc c'est un phénomène comme on dit quantique, c'est-à-dire que pratiquement euh, on ne connaît pas la situation euh, je dirais, de cette particule dans l'espace-temps. Et bien sûr, puisque notre corps fonctionne avec un système électronique, il faut savoir que toutes les réactions métaboliques que vous avez, toutes ces réactions qui sont, euh, je dirais euh, permanentes, vous faites nuit et jour sans arrêt, et eh bien euh, est fonction ce qu'on appelle d'un potentiel électronique. C'est-à-dire que ces électrons sont en quelque sorte les messagers, sont en fait les agents actifs qui permettent l'échange atomique, l'échange métabolique de toutes les réactions métaboliques que vous avez dans le corps. Et si vous avez une perte de cette puissance et ce potentiel électronique, il est évident que vous perdez aussi également des réactions métaboliques. Et c'est comme ça que s'aggrave le problème petit à petit, qu'en perdant des fonctions métaboliques, même les plus indispensables, parce que vous êtes dans un appauvrissement qui euh, concerne effectivement euh, ce potentiel électronique. Or, qui dit électron, dit aussi photon. Bon, nous rentrons effectivement là dans une magie extraordinaire au niveau du fonctionnement cellulaire. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes les explications, bien sûr, euh, j'en ai expliqué aussi de, dans mes livres euh, un peu le fonctionnement de tout ça, mais il est évident aussi que nous fonctionnons avec des photons, c'est-à-dire avec de la lumière. Donc toutes nos cellules sont interconnectées de cette façon-là, et ça a été découvert ça, par euh, des scientifiques il y a déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années, dont le fameux Fritz Albert Popp et bien d'autres, euh, le docteur Lorenzen, etc., et, et, et qui ont travaillé sur euh, ces, euh, je dirais, échanges photoniques de notre corps. Donc, tout ça, c'est intimement lié. On rentre dans une physique quantique et on rentre, effectivement, de savoir que notre corps est avant tout un système électronique, est un système qui fonctionne avec de l'information dont, effectivement, l'autoroute de cette information est en l'eau. Donc, la qualité de cette eau est absolument indispensable. Et c'est là où on a faux partout, puisque toutes les eaux que nous buvons actuellement, qui nous sont vendues, qui nous sont distribuées, sont des eaux qui nous mettent, d'une façon, je dirais, bioélectronique, sur des terrains de dégénérescence et de vieillissement accéléré. Bon, je, je, je n'ai rien d'extraordinaire, je vais vous le dire tout de suite, mais ça fait pratiquement 20 ans que je travaille avec l'eau que je n'ai jamais vu de médecin. Bon, j'ai 80 ans et je suis en pleine forme. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, alors que si je n'avais pas bu d'eau, je pense que je ne serais pas là pour vous en parler. Donc vous voyez donc que la bioélectronique est quelque chose qu'il faut réhabiliter en France. Et je rends hommage là, effectivement, à toutes ces personnes qui ont travaillé, et souvent difficilement, pour faire admettre ces nouvelles théories, qui sont bien sûr tout simplement celles de la vie, et qui sont malheureusement euh, actuellement inconnues, ignorées, et je crois, euh, derrière avec des intentions qui sont, je dirais, absolument négatives. Voilà, donc je rends hommage à l'Association de la bioélectronique de Vincent.